parking, donc je vais vous demander de pas toucher si vous voulez ce soir. Donc on... Et donc voilà le produit qui est fini à cette étape. C'est-à-dire que non seulement les encoches ont été faites, mais en plus la largeur de l'électrode, la bobine a été séparée en deux. C'est un grand jour pour l'industrie française. Et c'est un grand jour pour l'industrie européenne. C'est la première fois que nous créons, depuis Airbus, une nouvelle filière industrielle en France et en Europe. La filière des batteries électriques, qui va représenter 10 000 emplois d'ici quelques années, ici sur le territoire des Hauts-de-France, avec un savoir-faire technologique, un savoir-faire industriel du meilleur standard mondial, et qui va nous permettre de gagner la bataille sur les véhicules électriques pour le 21e siècle. L'objectif, ce n'est pas qu'il y ait uniquement des usines de batteries. Il faut que nous maîtrisions l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous travaillons d'abord sur les matériaux critiques que nous devons produire davantage, que nous devons trouver davantage. Nous ne pouvons pas dépendre totalement de l'Asie pour la fourniture de matériaux critiques. Ensuite, ces batteries, il faudra les recycler. Il y a des possibilités de développement d'activités pour le recyclage. Ensuite, il y aura l'assemblage des batteries électriques sur les véhicules électriques. Et je souhaite qu'il y ait le maximum de véhicules électriques produits sur le territoire français. Avec un séparateur au milieu, et voilà un stack. Donc c'est les machines qu'on a vues juste avant. Elles sont collées. Les anodes entre elles, les cathodes entre elles. Hein, comme ça, venir y mettre des collecteurs. Une chaussette. Donc on va mettre 4 stacks ensemble. Grâce à l'Europe, une vallée européenne de la batterie électrique est en train d'émerger sous nos yeux. Ce projet, c'est aussi la concrétisation de l'action que nous menons contre le réchauffement climatique pour réinventer notre manière de produire et notre manière de consommer.